laissé en direct. Pour cette conférence de presse, la rencontre avec les hommes et les femmes de la presse que vous êtes. Ceci nous donne l'occasion d'expliquer brièvement ce qu'est le cardinalat, sa signification, sa mission et les défis auxquels il est lié dans l'exercice de son ministère. Je vous souhaite donc une cordiale bienvenue. Mais la question qui nous occupe, c'est, mais enfin, qui est un cardinal de la Sainte Église romaine? Il y en a qui disent cardinal de Kinshasa, cardinal du Congo, mais il n'est ni cardinal de Kinshasa, ni du Congo, il est cardinal de la Sainte Église romaine. Ça, c'est le titre. Un cardinal est d'abord un citoyen romain. Il appartient à l'État qu'on appelle Cité du Vatican. C'est un État. Par conséquent, les cardinaux sont incardinés dans le diocèse de Rome, même si je suis membre d'une congrégation religieuse capucin et devenu archevêque de Kinshasa. J'appartiens au clergé de Kinshasa, devenant cardinal, j'appartiens au clergé de Rome. C'est pourquoi les cardinaux ont un passeport du Vatican. Et je l'ai déjà. Mais je garde aussi celui du Congo, naturellement. Ils ont la mission de voter, d'élire le pape en cas de vacances, mais ils sont aussi tous éligibles. Ils ont des charges dans le diocèse de Rome. Par rapport à ça, et le père Bujoko va nous le dire, on distingue au sein des cardinaux trois catégories. C'est pour raison d'histoire. Il y a des cardinaux évêques, il y a des cardinaux prêtres, et c'est la majorité, et des cardinaux diacres. Les jours de l'élection du pape, ceux qui avaient suivi en direct, chaque jour, c'était la fumée noire qui signifiait pas d'élection. Et le jour où nous avons eu la fumée blanche, il y a un cardinal qui est sorti pour annoncer le Habemus Papam. Et celui qui annonce est toujours un cardinal diacre. Et on l'appelle le proto-diacre. La majorité des cardinaux appartiennent à l'ordre des prêtres. Moi, je suis cardinal prêtre et à ce titre, le pape m'a attribué une paroisse à Rome, la paroisse Saint-Gabriel-Archange. Au début de l'année prochaine, j'irai à Rome pour une célébration avec les curés de cette paroisse, sous la garde du cérémoniaire pontifical. Les cardinaux diacres sont généralement des cardinaux qui travaillent au sein de la curie romaine. On dit cardinaux diacres, c'est pour des raisons d'histoire, ceux qui rendaient service autour du pape à Rome. Les cardinaux prêtres, c'était les cardinaux qui venaient de l'extérieur de Rome.
Ça, c'était les cardinaux prêtres. Et les cardinaux évêques, ce sont ceux qui travaillent avec lui au sein de ceux qui l'accompagnent et ceux qui étaient des évêques dans les diocèses suffragants. Il y avait des diocèses autour de Rome et les évêques de ces diocèses-là étaient considérés comme des cardinaux évêques. On a gardé le titre, mais la réalité d'aujourd'hui a évolué. Un cardinal n'est pas seulement un citoyen romain, il est aussi un conseiller, mais alors attitré, conseiller du pape. Les cardinaux aident le pape dans sa mission de gouverner l'Église universelle. Pour cela, ils doivent être prêts à aller jusqu'au bout, même au prix de leur vie, à verser leur sang. Tellement la cause est noble, la cause de l'Évangile, la défense de la cause de l'Évangile et de l'Église. Pour cela, un cardinal ne peut pas laisser passer des choses qui diminuent l'importance de la foi et qui diminuent la dignité de l'Église. D'où la couleur rouge-pourpre que portent les cardinaux. Cette couleur rouge-pourpre signifie « Je suis prêt à m'engager pour la cause de l'Évangile, pour la cause de l'Église, même au prix de ma vie. » La mission d'un cardinal, c'est quoi? C'est d'abord aider le pape dans l'administration de l'Église. Leur mission dépasse les limites de leur pays d'origine. C'est pourquoi tout de suite, je vous disais, un cardinal n'est pas un cardinal pour son pays. Il est d'abord cardinal pour l'Église universelle. Naturellement, il sera plus consulté pour les affaires qui relèvent de son pays ou le pays voisin qu'il maîtrise mieux. Ça, c'est normal. Leur mission dépasse les limites de leur pays d'origine. Ainsi, le pape peut envoyer un cardinal en mission dans un autre pays ou organisme. Aucune considération pour son pays d'origine. Ils sont en même temps des grands conseillers pour leur pays. S'ils sont des conseillers pour le pape, ils le sont aussi pour leur pays. Et je crois que dans les déclarations qui ont suivi ma nomination, certains politiques ont fait allusion à ça. Dans mon cas particulier, je place mon cardinalat sous le signe de Omnia Omnibus, qui est mon emblème épiscopal, ma devise épiscopale depuis que je suis arrivé à Kinshasa. Cela signifie, je place mon cardinalat sous le signe de rassemblement et de réconciliation de toutes les filles et tous les fils de la RD Congo au-delà de leurs tendances politiques, religieuses, civiles et sociales, parfois divergentes. On vient d'horizons divers, on partage des convictions divergentes, mais nous sommes tous fils et filles d'un même père. Dans la perspective de Omnia Omnibus, j'entends être le cardinal de tous les Congolais sans distinction, le cardinal de l'Église universelle au-delà des frontières de notre pays. J'offrirai mes services et j'annoncerai l'évangile de Jésus-Christ dans sa radicalité à tous et à toutes, sans aucune considération des classes ou de puissance. Quel est le nombre officiel, actuel, des cardinaux au sein de l'Église? Père Jean-Pierre Boudjoko va nous en parler assez rapidement, parce que lui vient de là, du Saint-Siège.
Actuellement, le collège cardinalis compte 227 cardinaux, dont 125 cardinaux électeurs. Le collège des cardinaux est présidé par le doyen des cardinaux. Collégialement, les cardinaux prêtent leur collaboration au pasteur suprême de l'Église dans des consistoires ordinaires et extraordinaires. La réunion des cardinaux autour du pape, on appelle ça un consistoire. Et le consistoire peut être ordinaire, un rythme régulier, tout comme extraordinaire, quand il y a une raison qui le commande. Nommé préfet d'une congrégation romaine. Et un préfet, ça c'est un vocabulaire purement de l'Église, le préfet des congrégations à Rome, en fait, ce sont les ministres du pape qui sont à la tête des ministères. En langage simple, on dirait comme ça. Mais le vocabulaire de l'Église dit préfet de telle congrégation. Ce sont différents ministères du pape. Quand les cardinaux sont à la tête des dicastères ou des institutions de la curie romaine ou de la cité du Vatican, ils sont priés de présenter leur renonciation à l'âge de 75 ans. La même chose, si un cardinal est archevêque d'un diocèse, à l'âge de 75 ans, conformément au droit canon, il doit donner sa démission. Non pas comme cardinal, mais comme archevêque ou comme préfet de ses services qu'on lui a donnés. Mais il reste cardinal jusqu'à la mort. En cas de vacance du siège apostolique, les cardinaux se réunissent pour élire le nouveau pape, et naturellement, c'est parmi eux qu'ils choisissent aussi un pape. Pour finir, j'indiquerai quelques défis et non des obstacles qui sont liés à ma mission en tant que cardinal dans ces pays tels que je le vois. Quels sont les défis que j'aurai à affronter demain? Premièrement, c'est le défi de la responsabilité collective pour un avenir radieux de la RD Congo. La notion de la responsabilité. J'y reviendrai le dimanche. On ne peut pas bâtir une nation si on ne prend pas au sérieux la notion de la responsabilité. Ma responsabilité à moi. Pas seulement les yeux tournés vers les autres, leur responsabilité et la mienne. Qui va assumer la mienne? Ça, c'est un défi énorme pour notre pays. Deuxième défi, défi du rapprochement des cœurs de tous les Congolais, la mission de pardon et de réconciliation. Apprendre aux fils et filles du Congo que nous sommes tous enfants d'un même père et ce qui nous rassemble est de loin beaucoup plus important que le petit détail, les petites opinions qui nous divisent. Troisième défi, défi du respect de la dignité humaine, surtout la dignité des enfants, la dignité de la femme. Un pays dans lequel l'être humain n'est pas respecté dans ce qu'il a de fondamentalement humain, sa dignité intrinsèque qui lui vient de son Dieu créateur, ce pays n'ira pas de l'avant. C'est un défi énorme que nous apprenions ensemble, collectivement, à découvrir la dignité de chaque être humain, de chaque Congolais et Congolaise, et
à le respecter. Enfin, du point de vue pastoral, c'est le grand défi du rayonnement de l'Église dans notre société. Parce que le cardinal n'est pas là seulement pour la promotion des valeurs humaines, mais il est d'abord au service de l'Évangile, au service de la propagation de la foi, l'intériorisation de la foi. Ça, ce sont quelques défis qui nous attendent au tournant, mais il y a tant d'autres que vous connaissez. Je laisserai la parole au père Jean-Pierre Bojoko de la Radio Vatican. La voix que vous entendez, c'est la voix que vous entendez aussi à la Radio Vatican, qui est le modérateur du jour pour vous présenter les tableaux synthétiques de la géographie des cardinaux à travers le monde. Je vous réitère mes sincères remerciements pour votre disponibilité et vous accorde ma bénédiction apostolique. Je vous remercie. Il est évident que ma nomination comme cardinal ne change pas la nature de ma mission. Je reste prêtre, je reste évêque, et la dimension prophétique liée à ma mission est intacte. J'espère que la nouvelle charge ne changera pas ma nature. Je ne le souhaite pas et je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que cela fait partie de ma mission. Un cardinal, et le pape l'a dit dans son homélie dans la basilique Saint-Pierre, il est d'abord cardinal pour la cause de petits, ceux qui souffrent. Il doit être la voix de ceux qui souffrent. Et pour cela, il doit parler quand il le faut. Le devoir des réserves, ça ne s'applique pas à un prêtre ou à un évêque. Le devoir de réserve, c'est pour les diplomates. Nous ne sommes pas des diplomates. Nous sommes des prophètes. Et un prophète n'est pas lié par le devoir de réserve. Parce qu'il doit parler quand il le faut. Il doit prêcher à temps et à contre-temps. Même au prix de mécontenter le puissant de ce monde. Il n'est pas obligé par le devoir de réserve. La gratuité de l'enseignement, la position de l'Église à ce sujet est très claire. Si nous sommes arrivés au système où on devait recourir aux parents pour alléger la souffrance des enseignants et permettre un bon fonctionnement du système éducatif de notre pays, c'est l'Église catholique qui était à l'origine. Et plusieurs fois, on nous a rappelé ça. Sous forme de reproches. Voilà, vous avez commencé cette histoire et c'est devenu un poids sur les épaules des parents. C'est dire, si le président annonce la gratuité de l'enseignement, nous le soutenons. Nous sommes pour la gratuité de l'enseignement. Nous le désirions de tout cœur depuis très longtemps. Seulement, nous voulons une vraie gratuité qui ne va pas fragiliser le système éducatif tel que ça existe maintenant. Gratuité signifie payer correctement tous les enseignants. On ne veut plus entendre parler de nouvelles unités, des effacés, il y a tout un vocabulaire là dans le monde non mécanisé ou mécanisé, mais sans salaire, etc. Terminer avec cette affaire-là. Tout enseignant a droit à un salaire. Et les salaires à verser aux enseignants, nous insistons là-dessus, ne doit pas être le petit 120 000 francs congolais qu'on leur donne maintenant, mais ça doit être ce qu'ils reçoivent maintenant, plus ce qu'ils recevaient de la contribution des parents, pour pouvoir tenir le coup. Enfin, gratuité pour nous signifie, l'État doit prendre en charge le fonctionnement des structures des gestionnaires, le bureau du directeur, du préfet, des coordinateurs,
de conseillers, etc., il faut que l'État mette de moyens conséquents au service de ces structures. À ce prix, nous soutenons la gratuité. Madame ou madame. Je voudrais un peu savoir pour la réconciliation que vous avez dit. J'aimerais savoir si ça va se limiter seulement par la population. Vous allez réconcilier la population. Ils seront divisés par tribalisme et quelque part par politiciens. Ou vous allez réconcilier les hommes politiques entre autres, M. Fayou et le président de la République. Notion globale. En fait, nous sommes tous concernés par cette notion de réconciliation. En fait, il s'agit d'abord de me réconcilier avec moi-même, me réconcilier avec les valeurs que nous avons perdues dans ces pays, nous réconcilier avec une certaine orientation à donner à notre pays qui relève la population. Donc c'est d'abord un travail à faire à mon niveau, moi, me réconcilier avec moi-même, ensuite me réconcilier avec mes frères et sœurs autour de moi. Naturellement, la dimension politique fait partie, mais nous n'allons jamais réconcilier les politiques au sens réconciliation parfaite. Parce que le propre du monde politique, c'est la division. Mais pas la division négative. La division dans le sens qu'il faut qu'il y ait plusieurs partis politiques pour mieux défendre l'intérêt supérieur du pays. Que ceux qui sont au pouvoir soient surveillés et contrôlés par ceux qui sont dans l'opposition. Comme ça, il y a un contrôle mutuel. Là, ce n'est pas mauvais. Nous n'allons pas supprimer ça. Mais la réconciliation, c'est amener le peuple congolais à regarder dans la même direction. Et la même direction, c'est la direction où se trouve l'intérêt supérieur de notre peuple. C'est plusieurs questions à la fois. Mais qu'il y ait un bon rapport entre l'Église et l'État, moi je crois qu'on ne peut que souhaiter. On ne peut que souhaiter. Parce que notre désir à nous n'est pas de vivre continuellement dans des tensions. L'être humain n'est pas fait pour vivre éternellement dans des tensions. Nous sommes faits pour la paix, pour vivre heureux. Et pour vivre heureux, il faut être en paix. En fait, c'est l'objectif que nous poursuivons, que le fils et les filles du Congo puissent accéder à cette félicité, cette vie paisible. Nous travaillons pour ça. Je ne crois pas qu'on soit complètement arrivé, mais nous sommes en chemin. Mon travail auprès du pape, bon, je ne peux pas le décrire ici, parce que moi-même, je ne connais pas encore. J'ai été nommé, mais je n'ai pas encore assisté à un consistoire. Je ne sais même pas. Je ne vais pas m'aventurer à dire des choses que je ne connais pas. Mais le souci de la jeunesse, vous savez que l'année passée, l'Église a organisé un synode sur la jeunesse. Tout le souci de l'Église est contenu dans ce document, l'exhortation post-synodale intitulée « Christus vivit », qui traite de la question des jeunes qui est aujourd'hui au cœur de notre pastorat. Ce n'est pas nécessaire que j'aille à Rome, que je sois devenu cardinal, pour que cela soit une priorité pour nous. Non. C'est déjà depuis des années, et de façon particulière, depuis l'année passée, avec les synodes, que la jeunesse est au cœur de notre souci pastoral. La clinique ou les cliniques Bondeko, jusque maintenant, étaient gérées par l'ASBL, Bondeko Yasika. Il y a une association qui gère aussi le centre Bondeko et d'autres structures, des écoles, etc.
Mais il est vrai que depuis ces dernières années, il y a eu des problèmes. Problèmes de gestion, problèmes d'administration, qui a fait que pendant quelques mois, les employés n'étaient pas payés. Et ils sont venus me trouver en tant que pasteur. Effectivement, dans le souci de manifester notre sollicitude pastorale vis-à-vis de cette catégorie de non-fidèles qui souffraient, j'ai été à Bondeko, j'ai fait la visite pastorale. Et à l'issue de cette visite, j'ai pris la décision à la demande des employés qui sont là de mettre désormais cette structure sous l'autorité pastorale du métropolitain de Kinshasa. Naturellement, il y a deux défis que nous sommes en train de relever actuellement. Je crois après le 17, nous allons passer à la vitesse supérieure. C'est l'urgence de payer régulièrement les employés. Et là, il y a une équipe qui travaille là-dessus. On essaie de le payer et j'espère qu'on va continuer à le payer. Et le deuxième défi, c'est revoir l'ensemble des structures d'administration de Bondeko en renouvelant la composition de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. Pour le moment, c'est complètement dépassé. Mais nous avons un bon espoir. Merci. Conséquence de la gratuité de l'enseignement, nous estimons, d'après nos évaluations, que la gratuité de l'enseignement ne peut avoir que des conséquences positives, globalement. Premièrement, avec la gratuité, il y a plus d'enfants qui vont à l'école. Ceux qui n'y allaient pas aujourd'hui, on voit la population scolaire a augmenté. Des salles de classe hier où il y avait 50, aujourd'hui, vous pouvez en trouver jusqu'à 60-80, surtout à l'intérieur. Ça signifie opportunité qui est offerte aujourd'hui à plus d'enfants qu'hier. Deuxième conséquence, vous parlez des écoles privées qui sont très chères et des écoles privées catholiques qui sont très chères. C'est vrai. Et c'est le propre des écoles privées. Donc, à côté du système public, le propre des écoles privées, c'est offrir un enseignement de haut niveau, mais réservé à une catégorie d'enfants. Pas tous les enfants. Mais si la gratuité fonctionne bien, il y a beaucoup de parents qui ne sentiront pas la nécessité d'envoyer leurs enfants dans une école privée, si le public est mieux organisé. C'est-à-dire, sur tous les plans, la gratuité de l'enseignement n'a que de bénéfices. Mais ça doit être une vraie gratuité, pas une gratuité qui détruit le système scolaire. Monnayage des sacrements. Est-ce qu'on vend les sacrements dans l'Église catholique? Non. Parce que cette question m'a déjà été posée plusieurs fois. Nous avons traité de ça au niveau de l'Assemblée épiscopale provinciale, cette question. Je crois qu'il y a confusion entre ce qu'on appelle vente de sacrements et les contributions légitimes qu'on pourrait demander aux pénitents pour participer aux frais d'organisation de ces sacrements. Il y a le frais d'organisation. La même chose, la question qu'on dit, on vend le sacrement, mais on le dirait aussi de l'Eucharistie que nous prenons tous les jours ou tous les dimanches. Pour que le curé puisse avoir les hosties, il doit les acheter. Parce qu'on fabrique les hosties avec du pain. Et le sang du Christ là, on achète ça, le vin. Ce n'est pas l'eau du robinet. Même l'eau du robinet, ça coûte. Donc, il y a un prix pour ça. Alors, pour pouvoir administrer les sacrements, il y a un minimum de frais. Et c'est ce minimum de frais que les curés demandent dans les paroisses. Il faut voir s'il y a exagération ici et là. Là, il faut voir.
S'il y a des cas pareils, évidemment, ça c'est à combattre. Mais en aucun cas, un sacrement ne peut pas être monnayé ou vendu. Je suis ici, ça fait plus d'une année que je suis à Kinshasa. Moi, je n'ai jamais eu de preuve qu'on peut dire « ce curé-là est en train de vendre le sacrement ». Je sais qu'il y a des curés qui ont demandé des chaises. Venez avec des chaises. Mais cela ne signifie pas vendre des sacrements. Ça signifie, étant donné que vous vous préparez à recevoir un sacrement en plus, votre responsabilité dans l'Église devient accrue. Et pour concrétiser cette responsabilité accrue, participez d'une certaine manière au coût que cela engage. Ou tout simplement, participez à la construction de votre paroisse. Parce que les chaises là, les curés les amènent où? C'est pour la paroisse. C'est pour la paroisse. Donc je crois que nous devons faire la distinction entre ce qu'on peut appeler participation aux frais ou au fonctionnement de la paroisse et vendre des sacrements. Parce que vendre signifie, si vous ne me donnez pas cet argent, je ne vous administre pas. Mais dans le souci, c'est qu'on dit, dans le but lucratif. Or, ici, le but n'est pas lucratif. C'est plutôt la générosité des fidèles qu'on encourage. Nous devons faire la distinction entre les deux. Bon, Kinshasa est très vaste, et je ne crois pas que le grand problème, c'est l'étendue. Le problème de Kinshasa, c'est la population. Il est densément peuplé. C'est comme étendue, Kinshasa n'est pas parmi les grands diocèses du pays. Moi, je suis encore administrateur apostolique de Mbandaka Bikoro. Mbandaka Bikoro, c'est 150 000 km². Kinshasa, ce n'est même pas la moitié. Mais Kinshasa, c'est 12 millions. L'importance de Kinshasa est là. C'est pourquoi Kinshasa a toujours eu des auxiliaires. Il y a énormément de travail à faire à Kinshasa. Normalement, il faut à Kinshasa un archevêque et au moins 4 auxiliaires. Mais on a toujours donné jusque-là 3. Pourquoi maintenant il n'y a qu'un seul? Ben, pour la simple raison, pas le matin et on les nomme. Il y a tout un processus de consultation et ce processus est déjà en cours. Donc, ça va aboutir. De toute façon, ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas l'archevêque qui nomme les évêques auxiliaires. C'est le pape de Rome. Mais le processus est en cours. Nous espérons qu'au courant de l'année prochaine, Kinshasa sera doté d'au moins 2 ou 3 nouveaux auxiliaires. Mais je crois 2. 2 nouveaux auxiliaires. Lien avec mon prédécesseur. La question, je ne sais pas exactement, mais il est aujourd'hui archevêque métropolitain à la retraite. Il appartient au clergé de Kinshasa et il est chez lui, dans l'archidiocèse de Kinshasa. Il n'y a pas un lien à inventer. Il y a c'est des liens structurels. Il est membre de l'Église de Kinshasa, il fut l'archevêque métropolitain, il est cardinal et il continue à jouir de sa dignité et de toutes les considérations qu'on lui doit. Donc ça, ce n'est pas des choses qui relèvent de moi où je peux changer ou ne pas changer. L'Église est organisée. La position de l'Église ne dépend pas du régime qui est là, en place, régime en place. L'Église ne prend pas position en fonction des personnes, non pas en fonction des personnes, non pas en fonction des régimes, que les régimes changent ou ne changent pas. L'Église est dans une démarche logique, cohérente, motivée par sa foi en l'homme. Et cet homme qui est créé à l'image
et à la ressemblance de Dieu, est un homme vêtu de gloire, de dignité et de respectabilité. Quand la dignité de cet homme-là est bafouée, l'Église se dresse. Indépendamment de celui qui est au pouvoir. Si vous avez noté des changements dans l'attitude de l'Église, ce n'est pas parce que l'ancien régime est parti et il y a un nouveau. Non. Si les mêmes causes qui ont fait se dresser l'Église hier reviennent demain, vous verrez l'Église sur votre chemin. L'Église est conduite non pas en fonction des visages des êtres humains, mais en fonction de sa foi en Dieu et sa foi en l'homme. Qu'est-ce que nous allons faire pour la paix à l'Est? La première chose, nous prions pour que la paix puisse revenir dans notre pays, particulièrement à l'Est. C'est d'abord ça notre première responsabilité. Prier, implorer la miséricorde de Dieu, qui jette son regard de pardon et de miséricorde sur ce peuple qui est en train de détruire ces paradis que Dieu nous a donnés. Notre prière, c'est que le Seigneur puisse toucher le cœur des uns et des autres, qu'ils soient des Congolais, qu'ils soient des pays voisins, qu'ils soient de la communauté internationale, pour que le Seigneur puisse enfin toucher leur cœur et qu'ils changent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous travaillons sur la situation à l'Est. Après le cardinalat à Rome, moi j'étais resté à Rome pour le synode qui a traité de l'Amazonie. Nous avons terminé le synode le 27. Le 28, j'étais à Genève. Et nous étions à Genève pour le compte de la République démocratique du Congo. C'était l'Église catholique. Nous étions là avec Mgr Marcel Outembi et l'abbé Cholet. Pour le compte de l'ESFC, il y avait le président, le révérend pasteur André Bokundoa, avec sa délégation de protestants, ESFC, et le musulman était aussi avec nous, les deux cheikhs de notre pays, les deux imams, ils étaient avec nous. Ça, c'était pour notre pays. Mais il y avait aussi d'autres pays, le Congo d'en face, dans sa composante catholique, protestant, musulman. Il y avait la République centrafricaine, l'Angola, le Burundi, le Rwanda et le Sud-Soudan. Nous avons travaillé sur la situation à l'Est. Il y a tout un programme qui nous unit maintenant pour voir comment faire revenir la paix dans cette région des Grands Lacs. Donc l'Église ne se contente pas seulement de prier, mais l'Église pose des actes qui vont dans le sens de la restauration de la paix dans la région. Donc nous travaillons activement sur cette partie de notre pays. Les deux questions. La première question, c'est par rapport à la dimension catholique de nos écoles avec des responsables qui ne sont que des catholiques. C'est ça la préoccupation de mademoiselle, madame. Mademoiselle, voilà. La question vaut la peine d'être clarifiée. Pourquoi nous insistons à ce que dans les écoles catholiques, le personnel enseignant, dirigeant soit des catholiques? La raison est simple. Et c'est vrai, votre observation. Dans le système éducatif au Congo, l'ensemble des réseaux d'éducation s'appelle réseau et éducation publique. On appelle ça comme ça. Nos officiels, je ne sais pas là. C'est public. C'est l'État qui a le pouvoir organisateur
pour l'ensemble du système éducatif. Mais là-dedans, l'État a pris une partie de ces écoles et a confié aux catholiques, aux protestants, aux cubanistes et aujourd'hui aussi à l'islam, je crois. L'État a confié et l'État a gardé d'autres écoles qu'il gère directement. C'est ce qu'on appelle les écoles officielles. Si on en fait ça, c'est qu'il y a une raison. Les catholiques, en prenant en charge quelques écoles, ont convenu avec l'État dans un document appelé Convention entre l'Église catholique et l'État pour la gestion des écoles. Ça signifie, nous prenons quelques écoles de l'État pour gérer, mais nous disons à l'État, ces écoles, nous allons les gérer conformément aux valeurs auxquelles nous croyons. Si vous êtes d'accord, nous les prenons. Si vous n'êtes pas d'accord, nous vous le remettons. On a signé une convention. Et dans cette convention, il est écrit que nous allons gérer ces écoles conformément à nos valeurs catholiques. Par conséquent, la première valeur qui fait la différence entre les réseaux officiels et les réseaux protestants et les réseaux islamiques et les réseaux catholiques, c'est notre foi catholique. Un parent qui envoie son enfant dans notre école ou un enfant qui vient s'inscrire dans notre école, il sait avant de partir de la maison que je vais chez les catholiques. Je ne vais pas dans un réseau officiel, chez les catholiques. Et nous, catholiques, nous avons l'obligation de veiller au caractère catholique de nos écoles. On n'oblige aucun parent, on n'oblige aucun enfant à s'inscrire dans nos écoles. Mais s'il vient s'inscrire dans nos écoles, il a l'obligation de respecter nos valeurs à nous. S'il n'est pas d'accord avec nos valeurs, il est libre d'aller dans les réseaux officiels. Il est libre d'aller chez les protestants ou chez les islamistes. Donc, les caractères catholiques, c'est fait à travers la qualité du personnel que nous avons, les enseignants. Or, à l'école primaire, tout enseignant est en même temps catéchète. Il enseigne le cours de religion. Si l'enseignant n'est pas catholique, qu'est-ce qu'il va enseigner pendant le cours de religion, s'il lui n'est pas catholique? Donc, il y a des conséquences logiques. Dès lors que nous avons signé une convention, le personnel qui doit veiller au caractère catholique de notre éducation doit être catholique. C'est la conséquence de la convention. Et nous tenons à ça. Il n'y a pas que le réseau catholique, il y a d'autres réseaux. On peut aussi aller dans le réseau officiel. Mais quand on vient chez nous, mais il y a des choses avec lesquels on ne badine pas. J'ai déjà donné des instructions depuis l'année passée. Tout enseignant de l'école primaire dans le réseau catholique doit être catholique. Sinon, enlevez le mot catholique de vos écoles. Tout directeur, tout préfet doit être catholique. C'est pour sauver le caractère catholique de nos écoles conformément à la convention que nous avons signée avec l'État. Et l'État le sait. Mademoiselle fait allusion à la proposition de sortie de crise que Fayoul vient de faire. Mais on ne peut qu'encourager. On ne peut qu'encourager l'initiative de Fayoul qui voit qu'il y a eu crise. Mais on ne doit pas rester accroché à l'histoire. C'est ça la position de l'Église catholique.
nous nous avions dénoncé le mensonge spectaculaire qu'il y avait eu autour des élections. Nous avons dénoncé. Mais après, l'histoire évolue. Nous n'allons pas toujours revenir sur la question de vérité des urnes. Nous devons évoluer. C'est ça notre espérance chrétienne. Nous devons aller vers le meilleur. Jusque-là, Fayoulou revenait toujours sur la question de vérité des urnes. Mais s'il arrive à faire une proposition en disant, voilà, il y a une possibilité de sortir de cette crise, nous ne pouvons que l'encourager. La presse a beaucoup parlé de cette question. Et je crois que la presse a même exagéré en faisant croire à tout le monde que le synode a décidé qu'à partir de maintenant, on ordonne des femmes diacres et qu'on ordonne des hommes mariés prêtres. Ça a été commenté dans tous les sens. La vérité, c'est quoi? Je suis content que vous posiez cette question-là. Le synode a été convoqué non pas pour traiter de la question d'ordination des femmes ou des hommes mariés. C'était un synode sur l'Amazonie. Et comme nous le savons, l'Amazonie, c'est quoi? C'est une forêt. La forêt principale qui constitue le premier poumon de l'humanité. Et le deuxième poumon de l'humanité, c'est le bassin du Congo, la forêt équatoriale, là où nous sommes. Ce sont les deux poumons qui maintiennent en vie l'humanité. Mais le constat, c'est que nous avons fait au synode, cette forêt subit aujourd'hui une violence insupportable. Premièrement, violence vis-à-vis de la nature. On coupe la forêt pour faire de grandes plantations de soya, l'élevage, on creuse pour extraire les minerais et la forêt est en train de disparaître. Or, cette forêt de l'Amazonie, si ça disparaît, c'est l'humanité qui va en souffrir. Ça, c'est le premier degré de la violence. Mais le deuxième degré, c'est la violence vis-à-vis des populations autochtones qui vivent dans l'Amazonie. On est obligé, donc on les oblige à quitter leur terreau, là où ils ont toujours vécu, parce qu'il y a des minéraux là-bas qu'on veut prendre. On les chasse, on les chasse. C'est un peu la situation que nous vivons ici, avec l'exploitation irresponsable des ressources naturelles du Congo, qui ne profitent pas nécessairement aux Congolais, à la population locale. Donc pour nous, la situation de l'Amazonie nous intéressait au plus haut degré. Mais nous parlons de l'Amazonie, non pas seulement comme des scientifiques, mais aussi comme l'Église catholique. Et la question qui s'est posée, il y a des peuples qui habitent cette forêt. Comment leur apporter l'Évangile de Jésus-Christ? C'est là qu'on s'est rendu compte que le nombre de missionnaires a beaucoup diminué. Alors il y en a qui ont dit, mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres, de sœurs pour aller là-bas, qu'on trouve une solution locale. En vérité, cette question s'était déjà posée chez nous au Congo. Parce que si nous voyons notre église au Congo, c'est une église qui est essentiellement portée par des laïcs. Dans des villes comme Kinshasa, vous voyez beaucoup de prêtres. Toutes les paroisses, il y a des prêtres. Mais allez à l'intérieur. Chaque village, il y a une communauté où les gens se réunissent les dimanches, mais qui préside cette assemblée. Ce sont des laïcs, ce sont des catéchistes. Ce sont des catéchistes. Nous, en Afrique, nous avons eu cette question. Nous avons donné comme réponse valoriser la figure des laïcs. Donner plus de responsabilités aux laïcs. C'est ce qui se fait chez nous. Mais là-bas, il y a quelques-uns qui ont dit, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres, bon, on peut ordonner les catéchistes qui sont là. Ça, c'est des discussions. Des discussions. Il y en a qui ont dit, les femmes font beaucoup, est-ce qu'on ne peut pas les ordonner diacres?
La réponse du synode était simple. Le synode n'a pas été convoqué pour traiter de la notion de ministère dans l'Église. Nous étions là pour sonner l'alarme, attirer la conscience de l'humanité sur le risque que nous sommes en train de prendre en faisant disparaître la forêt de l'Amazonie et mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités. Surtout, le puissant de ce monde et les grandes compagnies minières. Ça, c'était l'objectif du synode. Si on veut traiter du ministère dans l'Église, autant qu'on convoque un autre synode et nous allons en parler dans l'Église. Donc, il n'est pas question que le synode a ouvert des brèches dans ce sens-là. Cependant, la question de l'ordination diaconale des femmes, ce n'est pas tellement une grande difficulté dans l'Église. Il suffit qu'on en parle. C'est des choses qui peuvent évoluer demain. Parce qu'au début de l'Église, il y a eu des diaconesses. Donc, théologiquement parlant, il n'y a pas tellement d'obstacles. Mais on doit en parler dans un cadre qui convient à ce genre de dossier. Qu'on ne se cache pas derrière un dossier qui traite de la forêt de l'Amazonie pour poser les problèmes des ministères dans l'Église. Le peuple a voulu un changement dans le pays. Le peuple en avait marre avec ce qu'il vivait avant les élections. 10 mois après l'installation de nouvelles autorités, est-ce que le souhait du peuple est comblé aujourd'hui? Ce n'est pas à moi de répondre. Le peuple, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Je crois que ces souhaits restent entiers. Naturellement, il y a des points positifs. Il y a des gestes positifs qui vont dans la bonne direction, que nous devons saluer, que nous devons encourager, surtout le président. Il donne des signes d'être de bonne foi. On ne peut qu'encourager ça. Mais la vérité, c'est qu'on n'est qu'au début. On n'est pas encore allé plus loin. Et la misère du peuple, la souffrance du peuple continue. Il faut plutôt les exhorter à faire davantage. Le peuple attend. Et nous aussi. Mettez-vous à côté.